C'est Félix Leclerc qui vous parle. Vous allez assister dans quelques instants à la pire des supercheries. L'Office national du film me proposait un documentaire sur Félix Leclerc. C'est ennuyeux et en plus, c'est difficile. Alors nous avons eu recours à un trucage. Je vais donc jouer l'homme qu'on surprend chez lui, mais qui a appris son rôle depuis longtemps. D'ailleurs, la farce a déjà commencé et vous êtes en ce moment dans la voiture des cinéastes en route pour Vaudreuil, chez moi. Tiens, bonjour! Mais je vous attendais pas aujourd'hui! Mais attendez, venez-vous-en! Vous voyez? Premier mensonge. Le tournage a commencé depuis plusieurs jours, et ça fait trois fois que nous reprenons cette scène. Je fais maintenant comme s'il était urgent d'aller soigner mes poules, qui, pour les besoins de la prise de vue, en sont à leur cinquième repas. Oui, j'ai des canards. Trois cannes, un canard. Ça, c'est un petit couple de poulettes belges, les mille fleurs. Des petites poules chinoises. C'est pas de la plume, c'est du poil. Tiens, un œuf. Ah, j'ai aussi une grange. Vous voulez voir ça? Ah, ben, vous arrivez en pleine bataille. Celui-là en haut avec le chapeau poilu, c'est mon fils, Martin. Celle en rouge, ah, c'est Cato. Et puis il y a Dany aussi. Les enfants de Guy Moffett, mon ami et voisin. Ils font semblant de sortir leur projecteur et leur mécanique. Le réalisateur lui-même fournit un gros effort, mais c'est pour se faire photographier. Entrez. Installez-vous, faites comme chez vous. Ah, mais j'y pense, il faut que j'appelle Monique. Elle ne le sait pas. Allez, je la marque voir ça. On l'attend pour 8 heures. Elle est en haute pour ici, répétant son texte, contrat en main. Allô, Monique? Hello. Oui, c'est moi. Les gens de l'Office du film sont ici, là, si tu veux venir. Puis apporter un déshabillé, ils ont l'intention de mimer une chanson dans la fenêtre. Ça va? À tout de suite. On est chanceux. Messieurs, suivez. Mais comme je vous ai dit, la maison est en désordre. Eh bien, c'est ici que je travaille. Des chansons, des écritures, des lectures, tous les matins, je monte ici, à mon bureau. 20 ans d'ouvrage dans ce grenier-là. C'est parce qu'on pense qu'on est jeune qu'on laisse les affiches sur les murs. Peut-être un jour, quand on se pensera vieux, 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 on enlèvera tout ça. Il y a des souvenirs de plusieurs pays. Et ça, là, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire. C'est le E qui vient du tombeau de Jean de La Fontaine au Père-Lachaise à Paris.
J'étais avec des amis français l'après-midi, on est allé au cimetière, et puis là, tout branlant dans le plomb, je me suis permis de le mettre dans ma poche. Que la ville de Paris m'excuse, mais il est ici, en sûreté, et on le traite avec grand respect à Vaudreuil. Théâtre de village, c'était une petite affiche, la première qui a été faite pour le petit bonheur qu'on a joué à Vaudreuil il y a plusieurs années. Costume de Pierrot dans la première version de Baluron. Le petit bonheur, ça, c'est la version suisse qui a été jouée à Lausanne par les Faunés avec Charles Apotello. Bon, où est-ce qu'on est rendu? Ben, à peu près à 3 pieds plus loin que tout à l'heure. Ouais, moi, je voudrais parler un peu d'équipement. Ah ben, c'est fou l'équipement que le fils du film a pour se déplacer. Il y en a jusque dans le fond de la chambre de Martin. Des valises, des tuyaux, des lumières. Là, c'est le soleil, ça. C'est pas un projecteur, c'est le soleil. C'est celui qui est naturel. Félix Leclerc, 28 première. Tout ça pour en venir à vous parler d'un petit magnétophone, un cadeau que ma femme m'a donné il y a quelque temps, sur lequel je jette les airs qui me passent par la tête le matin ou le midi. Voici, j'ai envie de vous faire entendre ça, c'est des extraits de chansons. C'est-à-dire, c'est le processus de la même chanson qui m'a donné beaucoup de balles, que j'ai travaillé depuis le jour de Pâques à peu près. À tous les mois, j'en reprenais un bout, j'en reprenais encore un bout. Et ça commence par des cris, on dit des mots allemands, des mots russes, des mots latins, pour arriver à ceci. Tous ces cris, tous ces essais pour arriver à une chanson. Si vous voulez, je vais vous la chanter, la chanson. Fini. Avec un ton plus bas, je crois. Je suis pas tout à fait dans le même ton. On va regarder ça tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait pareil. Cette chanson-là, qui est pas la meilleure, qui est pas très 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 bonne, il s'appelle Si tu crois. Si tu crois que tu m'occupes, tu es plus sotte qu'un pigeon. Mais si tu crois que je t'aime, tu es folle comme un dindon. Prends la porte avec tes hardes, c'est pas moi qui te pleurerai. Je dis ceci par bravade, toi parti, j'en mourrai. Je m'en vais, comme c'est pas bien, sans tes trésors, au bohémien. Je t'ai donné un bouquet, parce que t'étais sur mon chemin. Le bel ami que je mets, c'est pas pour toi, mais mon chien. La vérité, quand tu passes, je te suivrai jusqu'à la mort. C'est mensonge, toi, quand tu passes, c'est ma vie qui passe. Alors, je vais fermer ça parce que ça fait du bruit. Mais j'en ai une autre chanson ici, qui est plus récente et à mon avis qui est meilleure que celle qu'on vient de faire. Ça s'appelle Vieux Bozo. Un cours d'eau, un canot, un corbeau sur son clos, et sa peau de chevreau sur ses os. Vieux chapeau, vieux manteau, vieil anneau, vieil auto, c'est Bozo qui chante au fil de l'eau. Il y a le tour de champ, le tour de rein, le tour du monde, le tour à bois, le tour qu'on joue, le tour d'auto, le tour de taille, le tournevis, le tour de broche, le tour taureau, le tour anjou, le tour à tour. Il y a le tour niquet, le tour de dos, le tour de disque,
joyeux. Le tourne à gauche, le tourbillon, le tour de sol. Tour de cochon, tour de rison, tour de babel. Il y a le tour de sein, le tour de mail, tour est joué. M'excuse, faut que je tourne la page. La bonne page, parce que c'est la première fois que je la chante. Un poêlon, un pigeon, un abri et la pluie, et un rond d'illusions sur le front. Un ami, un fusil, un perron, un cruchon, c'est la vie que mon vie. Le roi Louis, y'a le fil de fer, le filament, le fil d'or, le fil d'argent, le philanthrope, le fil de l'eau, fil conducteur, fil d'Ariane, fil de la Vierge, le philistin, le fil de soie, le fil muet. Y'a le filet de voix, le filet de pêche, le philosophe, filtre pour l'eau, fil barbelé, filtre d'amour. Filouterie, filasserie et philomène, fil à fuseau, philatélie, fil ton chemin. Un cours d'eau, un canot, un corbeau sur son clos, et sa peau de chapeau sur ses os. Vieux chapeau, vieux manteau, vieil auto, vieil anneau, vieux pas beau, vieux grelot, vieux boson. Et voilà. Puis, ça peut te servir dans le film? Rien à d'autre? Félix! Pas? Le souper est prêt. Le souper, la douche. La douche, il va faire. Personne n'y voit pas souper ou quoi? Bon, je n'ai pas souper. Oh. Attablez-vous? Non? J'ose la soirée comme un autre. Bon. La bonne soupe aux choux qui ont rire les soldats, mon Dieu! Ça, c'est fait de le voir, ça. Tu sais que c'est celle-là que Martin aime le mieux devant. Que ça sent. Que ça sent. Bon. Quelle heure? Oh. Qu'est-ce qu'elle fait, donc, Monique? Mais voulez-vous que je vous le dise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est derrière la porte. Elle attend le signal du régisseur. Attention. Bonjour, la famille Leclerc. Ah, Monique, bonjour. Bonjour. On t'attendait justement, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Bonjour, le douche. Bonjour. Ça va? As-tu soupé? Oui, j'ai soupé, merci. Bon, à tout à l'heure, le douche. Ça va bien? Attends. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? Une chanson? Une chanson? Ah bon, je savais pas. Mais tu le savais pas, écoute, ça fait 3 jours que la fille de fille. Elle le savait pas. Mais on en parle depuis septembre. Observez comment elle va entrer en matière. Voyez cet air dégagé et naturel. Cela s'appelle métier et travail. Avis aux jeunes comédiens. Pendant que je te tiens, Félix, je voudrais que tu répondes à une série de questions que j'ai trouvées dans un magazine français. Ça concerne la chanson, je voudrais bien savoir ton avis. Oh, ben, je te demande pardon. Moi, je réponds pas à des questions. Sauf ça m'embête, tu sais que j'aime pas parler. Et à part de ça, je m'y attendais pas. La chanson est un mode mineur. Pourquoi t'y adonnes-tu? C'est un amusement pour enfants d'école. Une bagatelle. Et pour ne pas dire une niaiserie, un verre de petit lait pour primitif et naïf. T'es sérieuse? Ah, oh, mon âge passe encore, mais au tien, Félix! T'as fait ça une grande partie de ta vie, tu continues? Qu'est-ce que tu vas apporter avec la chanson? Rien! On dit rien avec une chanson! Ben, fais-moi pas fâcher, toi! Si j'avais ma guitare à part de ça, je te répondrai, je te garantis. On dit rien avec une chanson. Tiens, vas-y donc. Oh! Ben, merci, Dadoche!
puis je vais te répondre. Ah ouais, donc. Il y a l'ouvrier qui meurt un soir de grande peine. Il y a l'homme sans honneur qui n'a plus que sa haine. Il y a le garçon trahi par la fille qu'il aime. Il y a cette mélodie de la douleur humaine. La douleur humaine, oui. Mais c'est loin, ça, c'est très vague. Ça te situe au-dessus du monde. T'es un orgueilleux replié dans ta tour d'ivoire. Mais réponds-moi donc à une question d'actualité, par exemple, tiens. Pourquoi les Canadiens ne lisent-ils pas de la littérature canadienne? Hein? C'était un Québécois qui voulait me célébrer. Hélas, il avait oublié de me regarder. Restine Pache. Oui, oui, d'accord, mais... Les grades, les diplômes, les licences, les permis qu'on distribue, les parties, tout ça. T'as l'air de t'en moquer, mais si tu t'en moques, tu es contre l'ordre. Eh ben moi, je suis pour l'ordre. Je suis, par exemple, pour les gens qu'on met en prison quand ils l'ont mérité. Et en prison, Tijan Latour et l'habitant sont enfermés à double tour pendant 2 ans. Puis quand enfin l'autorité les libéra, écoutez bien, mesdames, messieurs, ce qu'elle trouva. Un homme savant et un compositeur, heureux grands et seigneurs, on les pria d'accepter des honneurs. Mais l'habitant en rigolant s'en fut en courant dans son champ, pendant qu'à bicyclette Tijan reprit sa route en chantonnant tout comme avant. Oui, et dont Tijan Latour il avait chanté sans permis. Et puis l'habitant, il avait philosophé sans diplôme. C'est bien fait pour eux. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Oui, mais les grands problèmes de l'heure, là, les grands patrons, les grands responsables, qu'est-ce que t'en fais? Je m'en vais au palais pour briser un complot qu'on tramait dans mon dos, mes sujets. Vous au moins demeurez avec moi. Ayez pitié de ceux qui sont rois. Et ceux qui décrit les chansons, qui les bafouent, tu peux leur répondre en chanson? Qu'il se lève celui qui ne se paye pas 10 minutes, 10 minutes de calomnie par jour. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Martin? Il est passé l'heure de te coucher. Tu peux t'étendre là si tu veux. Pas de télévision, hein? On travaille. Oh, Tintin, bravo. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que t'es pas savant. Tu réponds par des à côté. Je suis pas savant. Je sais que je suis pas savant. Ben écoute, Martin, si tu veux pas faire comme François Villon, écoute ça. Oh Dieu, si j'eusse étudié autant de ma jeunesse folle et à bonne humeur dédiée, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école comme un seul mauvais enfant en écrivant cette parole, à peu que le cœur ne me fend. Tiens, Félix, regarde ce que je fais de mes questions. T'as gagné! Tu me fais plaisir. D'ailleurs, tu sais bien que je suis de ton avis en ce qui concerne la chanson. On peut tout dire avec une chanson. Philosophie, fantaisie, amour. Au même clou, mamie, ton tablier brodé et mon gilet troué. Ta tête si jolie, la mienne fatiguée sur le même oreiller. Celui des deux mamies qui s'en ira d'abord laissera l'autre mort. Nos faiblesses soudées comme troncs de pommiers et les fruits sur le lit.
La neige dans la porte nous empêche d'entendre celui qui crie dehors. Moi je n'ouvre à personne, ce que j'ai je le donne à toi chez moi qui dors. Regarde. Merci, oh, Dodoche, la bonne idée. C'est gentil, merci, Dodoche, pour fêter la réconciliation. Mais va te chercher un verre, Dodoche. Certainement. Viens traiter avec nous autres. À ta santé. Santé, santé. Ah, mais ça, c'est pas dans le film. Je suspecte que c'est pas dans le film. Bon. Oh, non. Parlant d'essai, il faut penser à ce matin-là, Monique. Ah oui, mais pour ça, il faut que je me change. Ben, je vais aller mettre mon déshabillé. Dis donc, où est-ce qu'on fait ça? Moi, je suggérais la chambre de Martin. Il y a une bien jolie petite fenêtre, là. Bon, ben, j'y vais. Et on y soit qui mal y pense. Quand deux oiseaux se battront le matin sous ta fenêtre et que leurs cris aigus te sortiront du lit, ne cherche ni le piège ni le mal qui les agite ainsi. Regarde dans la rue, le printemps est venu. Et si tu as aimé, tu t'attarderas ce matin-là. Le ruisseau qui zigzague et qui court pendant des milles, fouillant tous les bosquets jusqu'au fin fond des champs, cherche la source froide qu'il appelle derrière les bouleaux blancs. Et tous deux réunis, confondus, se taisant, iront mourir d'amour dans la mer maintenant. Quand tu dis que tu m'aimes et que tu danses au village avec tous les garçons qui ont cheveux bouclés, tu mens effrontément, alors moi demain je m'en irai. Plus loin que ce pays, plus loin que les nuages, et j'enverrai la mort te tuer, cher visage. Regarde dans la rue, le printemps est venu, et si tu as aimé, tu t'attarderas ce matin-là. Bonsoir, bonne nuit, rendez-vous bien. Je suis pas fâché que ce soit fini. Dodoche, on va aller coucher Martin. Bonsoir, Martin.
dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés de vieilles rosses traînant carrosse, et la fée Carabosse. Tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas, ni le château au long rideau dans l'eau, ni musicien vêtu de lin très fin. Y'a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot, qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, y'a un fanal comme un signal de bal. Dansez, chantez, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau.